Bonjour et bienvenue à la bibliothèque de l'Alliance Israélite Universelle. Pouvez-vous nous dire votre nom, d'où vous venez, s'il vous plaît? D'accord, je m'appelle Tomokazu Baba et je viens du Japon, de la département de Nagano. Quelle est votre recherche? Alors, ma recherche, c'est sur les philosophes juifs du 19e siècle, 20e siècle, autour surtout de Levinas. D'accord. Et pourquoi êtes-vous venu travailler à la Bibliothèque de l'Alliance? Alors, j'ai découvert des documents de l'ENIO, École orientale israélo-orientale, où Levinas était pendant longtemps le directeur. Et en tant que chercheur d'Emmanuel Levinas, j'ai lu beaucoup de livres philosophiques et écrits juifs de Levinas, mais je ne connaissais pas encore des documents qui a été écrit par Levinas et qui a été écrit et envoyé par aux autres, et je connaissais pas du tout quelle était la vie dans l'école de Levinas, donc ça m'a intéressé beaucoup, donc je suis venu. Et qu'est-ce que cela vous apporte dans votre connaissance de la philosophie d'Emmanuel Levinas? Alors ça, par exemple, il parle beaucoup de l'enseignement juif et la relation entre le judaïsme et la philosophie, et la relation assez proche. Par exemple, quand il parle de Braunschweig, il fait il met en relief la proximité entre le judaïsme et la philosophie. Et ça c'est tout petit article, mais je crois que ça, c'est une sorte de philosophie, de manière de voir les deux champs distincts d'une seule position en tant que directeur de l'école où il enseignait aussi, il donnait le cours de philosophie. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie.